Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 covers jaquettes qui me font dresser la quéquette. Encore une fois, c'est mon avis, hein. Peut-être qu'il y en a, ils vont trouver les jaquettes bof, mais moi je les trouve incroyables. Et je vais vous présenter aussi 5 jaquettes qui n'ont aucun sens, dégueulasse. Voilà, on va commencer tout de suite avec alors le Batman et Robin en Game Gear. Ça, c'est. Je l'avais eu, je me souviens, j'étais en 6e, je crois. J'avais acheté à la Redoute le magazine de vêtements, le magazine de où on se branlait sur les mamans en sous-vêtements. Quand on était adolescent, voilà, il n'y avait pas internet hein, encore. Bref, j'avais payé 70 francs, je m'en souviens, et je trouve cette cover, cette jaquette vraiment incroyable. Ça me fait penser à, je sais pas, une cassette vidéo. Genre, vous allez regarder un épisode de Batman, il y a le titre là, Batman et Joker verse du jus de bite sur Robin et voilà, on regarde l'épisode. Franchement, je la trouve vraiment vraiment belle. Je sais pas vous, mais le dessin il est cool. Bref, j'aime bien, faites pas chier. Maintenant on va passer à une jaquette dégueulasse. Bah vas-y, un Game Gear encore. Et en fait là bah, c'est le Predator 2. Elle n'est pas dégueulasse en soi, mais comme d'hab, je ne comprends pas le délire de mettre une image du film en fait. Et en plus, flou, hein. On voit peut-être pas bien, mais c'est flou sa mère, c'est dégueulasse, c'est un screen VHS quoi. C'est putain, et j'en ai des jeux Predator, j'ai un Predator en. Ah, il faudrait que je le mette aussi dans une jaquette qui déchire ça. En Xbox, j'ai un Predator sur Xbox 1. C'est vraiment un dessin, on dirait un comics quoi. Là, franchement, ça n'a aucun putain. Encore une fois, zéro effort. Genre, on fait un screen VHS, hop, terminé. Alors, je crois que même la version Mega Drive est comme ça. Je crois, je sais plus, j'ai un doute, mais voilà. On va passer à une jaquette qui déchire. Le Parodius en Super Famicom. Putain, c'est incroyable. Alors déjà, il y a tous les vaisseaux, hein. Ça c'est les vaisseaux qu'on peut prendre. Hein. Mais il est où le vaisseau normal? Ah bah il est là. Le premier vaisseau normal, il y a même le. Oh, comment il s'appelle? Le Twin Bee. C'est fou, franchement, elle est vraiment variée cette jaquette. Et derrière c'est même cool, c'est la meuf qui vient avec ses jambes écartées et qui marche comme ça, là, et qu'il faut passer entre ses jambes, et après elle revient, il faut repasser entre ses jambes. Là. Franchement, elle est jolie. J'aime bien, il y a des nénés, il y a de la nounoute. Un bon shoot. Et une belle jaquette. On va la mettre là. J'aime bien. On passe à la merde. Ah, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que là, j'en ai. Qu'est-ce qu'on va prendre comme merde? Ça. Alors déjà que la 32X, elle faisait pas grand-chose pour se vendre, hein. Mais si tu me claques des covers comme ça, j'ai encore moins envie. En plus, ce qui est sorti sur, c'est du recyclage de jeux Mega Drive en plus.
pour l'époque, la 3D sur cartouche et tout, ok, peut-être que oui, hein, mais là, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est pas beau. Faites un effort. Si vous voulez la vendre, votre 32X, là, avec votre full set de 16 jeux, là, faites un effort, putain. Ah, oh, ça m'énerve, voilà. Je suis fâché, je suis tout rouge. On va passer à... Bah allez, encore du Sega. Mazin Wars. Regardez-moi cette putain de jaquette qui pète la classe. Du coup, le Mazinger de Gonagai. Hein, c'est de la testo en métal, en muscle, en veine, en épée. Franchement, cette cover de Mazinger, putain, elle déchire. Elle déchire. Bon, derrière, il n'y a rien de fou. Le jeu, par contre, ouais, qui l'a fait? Qui l'a fait? Parce que, putain, le boss du niveau... En fait, le jeu, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est un bidémol, hein, c'est un Street of Rage, hein, pas dégueulasse, hein, les niveaux variés, les ennemis variés, bon, hein, bref, des fois il y a des gros monstres, tout ça qui viennent, et à la fin, en fait, on se transforme, ça devient comme un jeu de combat, voilà, on se transforme, on devient géant, dans le premier niveau, on devient géant, hein, on est dans la rue, en grand Mazinger, quoi, et ça devient un jeu de combat, bah c'est ce boss-là, putain l'enculé, je n'ai jamais réussi à le battre. Putain, il me déchire. Franchement, le boss du niveau 2, il me rend fou. En plus, il y en a deux ou trois continues. Je défonce toutes mes vies, toutes mes continues sur ce con. Il me meule comme jamais. Je suis sa puce, je suis son Vegeta. C'est un truc de malade. En plus, il y a un code. Il y a un code dans les options où vous avez la musique et les SFX. Et en fait, quand vous choisissez le dernier... La dernière musique et le dernier SFX, je sais plus, c'est genre le 18 et le 72, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Mais vous faites star, vous ne faites pas tous les niveaux, vous passez en mode combat et vous faites tous les boss, un par un, en fait. Du premier au dernier, et ben putain, le deuxième, j'y arrive pas. Il me pète les couilles. C'est... La jaquette, elle déchire le trou du cul. Mais le... Voilà, oh. Aussi bien le boss du niveau 2, hein. C'est un truc de fou. Ouh, quel enfer. Mais c'est con parce que c'est bien comme jeu. Bon, le... Alors là, on va garder le meilleur pour la fin en dégueulasse, là. Hop, et là, ça. Comme j'ai dit dans la première vidéo, hein, des jeux de Master System dégueulasses, je peux en mettre dans toutes les vidéos. Hein. Genre... On va faire un jeu qui s'appelle Ninja. Du coup, fais-moi un ninja. Voilà. Voilà, voilà. Merci. Voilà, c'est ça, c'est un ninja de Chine. C'est exactement ça. Putain, aucun effort. Hein. Aucun effort. Et je m'attarde pas plus sur cette merde parce qu'il y a zéro effort. Hein. Ça rend fou, quoi. On va faire quoi? On va faire une qui déchire, une pourrie encore, et la dernière qui défonce. Alors voici la dinguerie visuelle. Donc Castlevania, hein, Dracula X. C'est ça en japonais, Dracula X, donc Symphony of the Night, Jap, putain, c'est incroyable, ce visuel, il est incroyable. Bon, l'arrière, bof, mais même le CD, putain, est... Même le CD, il se fout pas de votre gueule. Hein. Oh là là. C'est... Ils l'ont mis partout. Hein. Ils l'ont mis partout. Bon, ça, c'est les musiques. Par contre, le CD des musiques est dégueulasse. C'est de la folie. C'est de la folie. Même le...
ça là. C'est une illustration en comics dans le. Enfin, à la place de la notice, regarde-moi ça, les grosses doudounes là. Putain, magnifique. C'est incroyable. Et en... Ouais, ça fait vraiment chiffon, ça fait vraiment grimoire en fait. Ça, c'est une dinguerie. Déjà visuellement, le jeu il tue. Tout tue dans ce jeu. Voilà. Ça c'est de la bombe. De la bombe, ça me fait dresser. On va la mettre à côté. Allez, une qui pue. Bon, on va faire deux qui puent et le meilleur pour la fin. Ça, pour celui qui connaît pas, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse 5 minutes. Voilà, c'est les 5 minutes sont écoulées. C'est un shoot. Voilà. C'est un shoot. Un shoot pas ouf, hein. Vraiment, c'est pas ouf. Hein. Team 17 qui a fait un shoot, c'est ceux qui font Worms, tout ça, hein, Team 17. Et... Putain, faites un effort, sérieux, vous faites un shoot. Les shoots, les jaquettes de shoot, c'est censé claquer visuellement. Putain, c'est quoi cette merde? X? Quoi, c'est un DVD de cul, enfin, c'est nul à chier. Ça, c'est nul à chier. Ça n'a. Putain, ça me dégoûte. Oh, heureusement que c'est pas un shoot qui déchire parce que ça aurait fait tâche. Hein. Là, on est dans une bizarrerie. Bizarrerie en Mega Drive. Super Skid Marks. Alors, la première fois, quand je l'ai eu dans ma collecte, j'ai fait what? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, c'est pas beau. Hein? Pourquoi des vaches tout terrain? Pourquoi pas des chats tout terrain? Vu que ça fait des 4x4. Mais et en fait, alors on peut prendre des vaches, hein? Et en fait, j'avais testé, j'ai fait, bah vas-y, je vais tester, c'est du code master, voilà, c'est ceux qui ont fait Micro Machine et tout. Et en fait, c'est un Micro Machine, mais un peu à vue isométrique. Et en fait, c'est putain de jouable, c'est marrant et tout, hein. C'est cool, mais bordel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là pour cette cover? Il y a... Pareil, vous voulez le vendre, votre micro-machine, faites un putain d'effort. Et zéro effort. Allez. Et le meilleur pour la fin. Alors là, la cover. Bah, un jeu Big Box, hein, Big Box PC. J'en avais déjà présenté un dans la première vidéo. Et là, elle met d'accord tout de suite. Hein. C'est le Doom Flesh Consumed avec mon accent anglais. Putain, là, la cover, elle sait que, enfin, t'achètes ça, tu sais que tu vas en prendre plein le cul. Alors ça, c'est la version du A, en fait, mais avec plus de niveaux, plus dur, il y a plus de trucs, en fait, des niveaux inédits. Vraiment le Ultimate Doom, mais Ultimate, quoi, vraiment. Et putain. Tu vois ça dans le magasin, tu fais je l'achète ou pas? Si je l'achète, je vais aller en enfer. Bon, allez, je l'achète hein, parce que tous les gens cool ils sont en enfer quoi, donc j'irai avec eux. Et putain, c'est de la bombe. Bah, elle est pareil à côté de c'était quoi? C'était Eradicator que j'avais mis dans la première vidéo. Et pareil, elle est à côté d'Eradicator, cette cover, enfin cette boîte, parce que elle défonce, le jeu défonce, et tu te fais bien défoncer aussi en y jouant. Voilà, pour ma sélection perso, je
je rappelle, c'est une sélection perso. Je vous laisse sur ces images. Putain, j'ai bugué. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à la prochaine.